Signature puis échange de parapheu entre le ministre de l'Économie et des Finances de Côte d'Ivoire, Adama Koulibaly, et le directeur général de la Banque publique d'investissement de l'État français BPI France, Nicolas Dufourcq. Le protocole d'accord signé par les deux personnalités engage la partie française à accompagner le gouvernement ivoirien à réfléchir à la création d'une banque publique au profit des entrepreneurs ivoiriens, notamment les PME. Le principe, c'est qu'il faut un guichet unique pour les entrepreneurs, où on leur offre tout ce qu'ils cherchent, y compris simplement de dialoguer sur leur plan d'affaires, leurs ambitions, etc. Donc, la garantie, le financement de l'innovation, le financement de l'international et de l'export, le financement du développement, les fonds propres, hein, et, fondamental, le conseil. C'est une solution adaptée au développement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire qui pourrait profiter à environ 95% de la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, c'est de me féliciter de ce que nous puissions signer ce protocole d'accord qui va voir donc la France, à travers donc BPI France, nous apporter l'assistance et le conseil en vue de voir dans quelle mesure notre système d'appui aux très petites entreprises et aux moyennes entreprises va s'améliorer, va nous permettre d'optimiser les résultats de ces entreprises-là, d'autant que la Côte d'Ivoire et la France ont la même vision en ce qui concerne la relance de l'économie, qui est le développement du secteur privé et l'appui de l'État au développement du plus grand nombre d'entreprises, qui sont source de création d'emplois et bien sûr de richesses. Créé en 2012, BPI France est un organisme de financement et de développement des entreprises françaises à l'étranger. Elle est en particulier chargée de soutenir les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les entreprises innovantes à s'implanter ou à trouver des marchés à l'extérieur de la France.